LG Bull, Nathalie, ADP 2022, revient sur son buzz et fait une énorme révélation. Ce lundi 6 février dans L'Amour vu du Pré, Nathalie s'est confiée sur l'incroyable buzz autour de sa punchline LG Bull. L'ancienne prétendante de Jean en a profité pour faire une énorme révélation à ce sujet. Il y a des punchlines qu'on n'oublie pas. Et Nathalie en avait sorti une belle lors de sa participation à la précédente saison de L'Amour est dans le Pré. Lors de la 17e édition de l'émission de dating de M6, la grande fan de Johnny Hallyday était devenue la coqueluche des téléspectateurs en raison de son fort caractère mais surtout des nombreuses séquences qui ont marqué le programme. On se souvient de sa sortie au karaoké avec Jean et sa concurrente Laurence, au cours de laquelle elle avait donné de la voix sur le taulier. Mais également de son sauvetage du riz in extremis à quelques heures d'une merguez party. Autant de grands moments de télé jusqu'à la journée fatale pour le sosie des Annie Cordy. Lors d'une escapade dans une guinguette où elle espérait se rapprocher de l'agriculteur. La prétendante avait eu le cœur brisé lorsque celui-ci a dansé un slow avec son adversaire, avant de l'embrasser goulûment. Nathalie réagit enfin au buzz autour de son LG Bull. Choquée par cette provocation, Nathalie avait préféré sortir prendre l'air pour s'isoler et faire exploser sa colère devant les caméras de M6. Je me sens toute seule. Je savais qu'en l'amenant à la guinguette, ça allait être comme ça. Je savais qu'elle allait l'accaparer. Quand tu les vois danser le slow collé serré, bisous sur le front, c'est bon quoi. Tu crois que je ne regarde pas? Avait-elle lancé, avant d'inventer un mot. LG Bull là, elle a gagné. LG Bull, elle n'a pas tout gagné. On n'est que dimanche, là, je suis tendu. C'est l'élastique de mon slip. Je sais qu'elle gibule. Dans sa tête, elle rigole. Une séquence devenue culte et virale. De retour sur M6 pour participer à L'Amour vu du Pré aux côtés de Jean-Noël, l'ancien prétendant des Alain, Nathalie est revenue sur son incroyable buzz ce lundi 6 février. Alors que Karine Le Marchand lui a fait un clin d'œil lors du portrait de Jean-Paul en déclarant que ce dernier cultivait sa terre en gibulant, Nathalie s'est enfin expliquée sur son incroyable création. Et non, ce n'était pas une erreur de sa part. Je voulais parler comme les jeunes, a-t-elle révélé, en se félicitant d'avoir fait parler d'elle. Fin du mystère.